Bonjour à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo. Donc on va continuer motivation, nettoyage de la salle de bain. Comme je vous ai dit, il reste plus que le parterre à faire. Donc là j'ai tout dégagé. En plus voilà, ça va aller vite parce que c'est un petit truc, c'est tout petit. Mais voilà, ça fait un bon petit moment qu'on l'a pas fait. Et sincèrement, c'est caca. C'est caca. On a juste passé un coup de balai, mais vraiment nettoyé à fond avec du produit. On va dire qu'il y a eu du laisser-aller, quoi. Donc c'est pour ça, avant de refaire, comme je vous ai dit, hein, avant de refaire la salle de bain vraiment nickel chrome, on va bien, bien nettoyer le parterre. Par contre, les meubles, je ne peux pas parce qu'ils sont collés. Ils sont collés et si j'enlève, bah, tout va s'écrouler et puis bah, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie que tout tombe. Donc voilà, malheureusement, on va faire les contours. On va essayer de bien balayer derrière si j'arrive. Et le problème, c'est que le compteur, il est là. Normalement, ils auraient dû nous l'enlever, le compteur. Faire un autre système. Mais voilà, y en a qui l'ont enlevé, il y en a d'autres qui l'ont encore, ils l'ont encore. Et moi, malheureusement, bah, je l'ai encore, là, le compteur là. Donc ça me gêne un peu parce que je ne peux pas mettre un meuble vraiment comme il faut. Donc ça, c'est un meuble que j'ai fabriqué. Voilà, celui-là, là. C'est un meuble que moi, j'ai fabriqué moi-même. Comme d'habitude, système MacGyver. Mais il tient le bordel, hein. Franchement, il tient. Il tient, mais faut que je mette une planche pour éviter que la planche s'en aille. Mais bon, voilà, on fait. Encore une fois, on fait avec les moyens du bord. Voilà, donc je vais passer un bon coup de balai. Et après, on va nettoyer. Donc je vous abêche, je vous abêche, je sais pas si vous voyez, ah, peut-être pas trop, voilà, partout, voilà, vous voyez, hein. Vous voyez même la caméra, hein, vous voyez que là, tout ça, c'est caca, donc on va enlever tout ça, allez, c'est parti. C'est parti mon kiki, on va essayer de faire ça au plus propre. Après pour mes genoux, bah, je vais mettre un truc pour protéger mes genoux. Je voudrais quand même pas salir mon pyjama à 3000 euros. Donc, pareil. En plus, comme du fait, je faisais le ménage là-bas avant d'être à la Fnac. Je vous avoue que j'avais pas du tout envie de faire le ménage à la maison, quoi. J'avoue. Vraiment la flemme de faire. Juste donner un bon coup de balai et basta. Le plus c'est la poussière, hein, c'est tout. C'est pas à un point qu'on peut pas passer dans la salle de bain non plus. Hein. C'est quand même pas ce niveau-là quand même. Voilà, il y a juste eu un petit peu de laisser aller.
donc on va rattraper tout ça. Voilà, moi j'ai pas honte de montrer ma saleté. Y en a en vidéo qui cache, qui montre juste quand c'est propre, mais il montre jamais quand c'est sale. Et moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je m'en bats les cacahuètes. Si c'est sale, c'est sale. Pas honte de montrer les choses de la nature, c'est la vraie vie. Ah, j'ai un produit, c'est mon produit antibactérien, ça. C'est pour on va nettoyer les. Les poussières, c'est quand je vais nettoyer. Il y a beaucoup qui ont enlevé ça, le truc, mais moi j'ai essayé, j'arrive pas à l'enlever, puis bah j'ai pas envie de le casser. Le jour qu'on partira, bah, on sera obligé de le remettre, le bordel. On n'aura pas le choix, parce que ça fait partie de la caution. De la poussière qui s'est accumulée. J'ai envie d'éternuer. Comme d'habitude, la machine à laver. Le jour où vous l'entendrez plus, c'est qu'elle est morte. Donc profitez-en qu'elle soit encore vivante. Franchement, la machine à laver, c'est comme les chats, ça fait partie du quotidien des vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais à chaque fois que je fais une vidéo, vous entendez la machine. Ah mon bébé! Ah mon petit bébé! Tu fais là, mon petit bébé d'amour, je petit papa. Bah oui, papa nettoie. T'aimes bien hein, quand papa nettoie. Hein. D'un coup, il adore ça quand je nettoie, il est tout content, il est comme un foufou. Après, il se roule par terre. Hein, mon bébé? Équipé, papa, il nettoie? Hein, mon cœur? Hein, en plus, t'as bien aller de temps en temps dans la salle de bain. Comme elle est souvent fermée à cause de ma housse, pour éviter qu'il pisse, ben, il connaît pas trop. Enfin, il connaît, mais bon, des fois, il n'ose pas y aller. Et comme du fait, elle est toujours, la porte est toujours fermée. Et logiquement, les chats, ils ont horreur des portes fermées. Ils n'aiment pas avoir les portes fermées. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et eux, comme ils sont tellement curieux, ben, ils veulent voir. Hein, mon bébé? Qui fait papa? Hein? Toi qui veux papa? Nettoie? Qui ça, c'est le balai? Tu connais le balai? Hein? Merci.
Voilà, après il faudrait que je le fasse que je le fasse régulièrement, pas laisser comme ça en abandon. Voilà, franchement. Alors désolé, je me retourne parce que sinon je peux pas passer. Comme je dis, c'est assez petit. Comme j'ai mal à mes jambes. Faire attention de ne pas casser le moteur non plus. Voilà, déjà enlever le plus gros, ce sera déjà énorme. Hop. Là, je vais faire les plus grands. Hop, on va bien essayer de balayer correctement pour éviter que. Par contre, évite Blaco, évite de te mettre dans la dans toute poussière. Hein. Je sais pas, un joujou quand même. Hein, mon bébé. Hein, mon petit bébé d'amour, le petit papa. Allez, pousse-toi là, parce que tu es en train de faire des bêtises. Poussière pour je sais pas si vous voyez là, j'ai eu le caca, tout le caca il est là, le caca, et c'est que de la poussière. Pour ça je vais essayer de le faire régulièrement, au moins tous les 2 mois, tous les 3 mois, tout enlever. Là franchement j'avais pas le courage. J'avoue, vous n'avez pas le courage de le faire. Mais bon, ça malgré tout, ça se salit vite. Hein. Ça se salit vite. Ça se salit hyper vite.
C'est incroyable. Ah, j'ai le goût de la poussière dans la bouche. Mon Seigneur. Ça. Seigneur. Donc on va commencer à mettre un peu de produit. Je ne sais pas si je vais mettre de l'Ajax, celui-là au Javel. Peut-être mettre celui-là, on verra. Je vais voir si ça enlève le schmilblick. Si ça enlève le caca. Si ça enlève le gros caca. Normalement, oui, ça devrait le faire. En même temps, j'en mets un peu sur les plates. Comme ça, je vais pouvoir le faire. Après, on va laisser agir un petit peu. Mettre sur les tuyaux. Comptez-vous, alors que quand j'ai eu l'aspirateur, quand j'en avais un aspirateur, j'avais passé l'aspirateur, il y en avait plein déjà. De quoi? Les moumoutes là. Il y en a plus. Hein. J'avais acheté votre produit là. À Action. À Action, je crois, ou Leclerc peut-être. On va mettre de l'autre. Ouh, mon Seigneur. Putain, tu peux mettre un peu d'eau? Moi, j'y arrive pas. Donc voilà, mes 8 produits pour voir bien. Après, je vais laisser agir un petit peu. Hop. Dégager un peu la propreté. Bon, désolé, hein, je vous montre mon cul, mais j'ai pas le choix. Et après, c'est que de l'eau. C'est de Lolo. Donne-moi l'appel. Là, si je mouille, puis que, avec la saleté, là, ça va pas le faire. S'il te plaît. Merci. Hop. Intermarché. Voilà. Hey, caca. Tiens, le balai, j'en ai plus trop besoin. Hop. Pendant le temps, on va nettoyer les tuyaux. Tant qu'à faire. Et là. Même les tuyaux commencent à. J'ai pas fait les pleins de la salle de là, faut que je les fasse. Déjà un coup de propre.
Déjà, il n'y aura pas ça à faire quand tu passeras un coup de plein, un coup de peinture. Voilà. Bon, on va prendre. Je vais mettre un petit peu de. Voilà, un petit peu de scie. Par-ci, par-là. Hop. Voilà, alors Shabbat. C'est très bien comme ça. Du lolo. Ah, toujours en hausse, bordel, là. Ah bah. Comme ça, ça va plus vite. Le truc, il s'est enlevé. Le truc il s'est enlevé. Mais pourquoi tu l'as enlevé? Bah, alors, moi, je vais pas enlever, il s'est enlevé tout seul. Moi j'enlève pas et toi t'arrives à l'enlever. Non mais je vais l'enlever de toute façon. Ah oui, on va mettre comment la poire? Je vais mettre un truc exprès que j'ai commandé. Oui mais c'est pas maintenant du jour au lendemain. Ben si, je vais l'avoir le 28. La poire tu la mets à coup dessus. Comment je fais? Voilà, ça tient, ça tombera pas. Tu vas pas mourir. Si? Oui, mais quand tu prends ta douche, c'est quand même pratique d'avoir la poire là-haut. C'est un système un peu comme ça, mais que tu pourras bouger la poire, machin. Mais au moins, ça tiendra. Ça sera pas cette merde-là qui tient pas. Bah, de toute façon, non. Tu pourras pas l'accrocher, la décrocher, par contre, ça, l'accrocher, faut pas le jeter. Hein. Oui, je sais, ça fait partie du bordel. Mais déjà, tout est cassé déjà. Je sais ce que je fais, hein, t'inquiète pas. Hein. Je suis pas handicapé. Hein. Putain, on a l'impression que je suis handicapé. Là. Donne-moi une serpillière, s'il te plaît. Pêche-moi. Ça saute. Vas-y, saute. Ben oui, tu comprends rien du tout. Hein. Tu dis quelque chose. Non mais tu sais, ah non mais je suis conne. Des fois, j'ai l'impression que tu me prends pour un gamin. Non, oh, bon, un gamin. Bah oui. Ouais. Regarde, tu mets tes chaussons dans le produit. C'est pas grave, j'allais te faire un métier. Pourquoi j'ai du goût de la poussière dans la bouche, c'est normal? J'ai rien compris. La gueule, c'est parce que tu viens de faire la poussière.
les trucs, laisse tomber. Même ça, ça se dégole. Ça se décolle. Tu y crois, toi? Voilà. Déjà, à partir de là, ça sent un peu plus propre. C'est tombé, je trouve qu'on a enlevé le papier. Voilà, ça sera tout propre. Tuyau, comment était ça le tuyau là? La poussière. On va changer de position. Hop. Hop. Voilà.
une MacGyver à quatre pattes et on frotte comme un ancien temps. Voilà, nos anciens, ils faisaient ça, ils mettaient à quatre pattes et on frottait par terre. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Pas besoin de balai brosse, de machin. À l'époque, ça n'existait pas tout ça. Mon seul fort, c'était les bras. Pourtant, ça enlève la trace des... Hop, on enlève tous les trucs là. Oh, le pantalon n'aura jamais été aussi propre, dis donc. Ouais, je vais me rincer les pieds. C'est un peu d'huile, hein. Hop. Voilà, vraiment, après, je serai tranquille. Ah bah, changer de gueule, la salle de bain. Monseigneur. Bon bah voilà, j'ai bien frotti frotta. Hop. Le plus dur, bien sûr, c'est de se lever. Ouh, oh les jambes.
peau, les jambes. Bon, je vais rincer. Je vous mets en pause. Je vais rincer la cuvette. Allez, ça. Ah, mais ça, je te dis que c'est les trucs d'aération là-haut qui font ça. C'est reparti. Moi, je suis sûr que c'est leur truc d'aération. Cucu. Parce qu'avant, j'avais pas de saleté comme ça. On va rincer le bordel. Tant qu'ils m'avaient pas mis ces trucs-là, là, j'avais pas de saleté comme ça. On va juste passer comme ça au le plus gros pour enlever la merde et après je referai ça en plus propre pour éviter de l'en mettre partout. Donc ça sert à rien. Voilà, je fais juste un peu comme ça. Après je vais me remettre à quatre pattes pour nettoyer. Ouais, quand je vous dis, hein, je vais rincer mes petits pototons. Je sais pas si ça se dit. Mais... Ah, changer de gueule, le bordel. Il a changé de gueule. Il a changé de gueule. Moi j'ai bien nettoyé la salle là. Je suis en train de la ressalir. Hop. Même ça, par exemple, je... Je refasse un coupe propre.
rincer là, c'est mieux. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh le boxion. Moi voilà, c'est moi, c'est ça. Propre, bonne fin pour toutes. Je nettoie comme je peux. Je sais pas, en plus, je peux pas l'enlever le bordel. Je crois ils ont collé le truc. Donc je fais comme je peux pour enlever la saleté à l'intérieur. Bon, le truc il est. Un peu plus propre. Voilà, au moins, elle aura changé de gueule. C'est court de casser. Hein. Le radiateur, après, je vais les repeindre. Je vais les repeindre en noir. Je vais pas laisser blanc comme ça. Ça fait moche. Bon, c'est hyper salissant. Voilà, donc ça, ça. Oh, Maus, occupez-la. Occupez-la, les bébés Maus. Viens vérifier si c'est propre. Hein? Hein, Mr. Mouse? Est-ce que tu viens vérifier si c'est propre? Ça lui, il a changé un peu de gueule aussi. Voilà. Il est tout propre. Voilà. Comme ça, hop, on n'y touche plus. Le tuyau, pareil. Il est nickel. Comme ça, hop, il y a une poussière qui va dessus.
Non, quand tu nettoies, t'as toujours des merdes qui retombent encore. Tu te retrouves encore avec des merdes. C'est surtout quand tu rinces. Hop. Je vais rincer, je vais rincer, ça va rincer. Je vais rincer, je vais rincer. La vie, la vie, la vie. Ça, j'ai fait déjà la dernière fois. Mais on va quand même hop un petit coup sur le tuyau pour dire que ça t'est fait. Hein. C'est dur la vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est dur la vie d'artiste. Tout ça, je les ai récupérés au boulot aussi. On les a donné, le gars du ménage qui m'en a donné au moins une dizaine. Parce que lui, il les jetait à chaque fois, il s'en servait, il les jetait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu jettes ça? Ça se lave à la machine, ça. Il dit, non, nous on a plein. Une fois que c'est sale, on jette. Alors, la dernière fois, il en avait jeté plein. Bah, justement, c'est les 10. Peut-être en avoir 10, 10 ou 15, un truc comme ça. Du coup, j'ai tout récupéré à la poubelle. Je les ai mis dans un sac, je les ai lavés. Et ils sont nickel chrome. Comme s'ils étaient tout neufs. Ah oh, putain, ton art. Moi, je les nettoyais, moi, à chaque fois, je m'en servais, tout comme ça. J'ai fait les tremper dans le javel. Le week-end, comme ça le lundi, hop, j'arrivais, je rinçais. Elles étaient nickel chrome, les lavettes. Mais je sais pas, ils jettent. Ah, ça. C'est sûr que pour eux, hein, ça coûte pas cher, hein, la marchandise.
Ça coûte pas cher. Franchement. Hop, trois belettes. Voilà, comme ça au moins, les plaintes, ils seront propres. Je pourrais plus facilement aller laver, aller peindre. J'ai une bonne chose de faite. Je perdrai moins de temps à faire. On les plaint comme ils sont très mal faits. Bon, après, je repasserai un coup de balai. Ouh ! Ah, vous n'avez pas trop eu mal. Ah, j'ai oublié vous. Redescendre. Et voilà, je peux pas faire mieux. C'est déjà très très bien. Ensuite. Ça me gratte. Et voilà. Ouh, tout est propre. Je suis tranquille. Voilà. Une bonne chose de faite. Une bonne chose faite. Salut, la vie, la vie. Une bonne chose faite. La vie, la vie, la vie. Une bonne chose faite. Tati, tati, tata. On est à moi, c'est toi. Pam, 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 pam. Et voilà, je suis content, tout est propre. Tout est propre, tout est fini bien. Donc du coup, hop, ça. On va remettre ça. Là. Voilà. Bidou, bidou, bidou. Badou, 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 pilou, 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 badou, badou, badou. Ça.
On va mettre là-bas. Hop. Ça aussi, hop, c'est là-bas. Ça n'a rien à faire dans la salle de bain. Normalement, c'était rangé là-bas. Hop, comme j'ai fait de la place en dessous là-bas, de toute façon. Bon, ça, c'est fini. On va jeter. Ça, le truc, il reste là. Voilà. Hop, un petit produit. Du coup, bah, ça, comme ça s'est cassé, bah, je sais pas. Hein. Hop, on va voir si ça s'accroche. Voilà, il s'accroche au bordel. Ça, du coup, bah, on va le mettre là. Voilà. Et quand on partira, bah, je le remettrai. Je le remettrai tout simplement. Hop. Donc ça, j'ai dit poubelle. Ça, du coup, c'est du vinaigre. On va le mettre là. Voilà. Ça, le dentifrice, il retourne dans la salle de bain, dans la cuisine. Hop. Voilà. Hop. Hop, hop, je n'ai pas nettoyé pour rien. Content, ça a changé de gueule un petit peu, hein. Ça a changé un peu de gueule. Donc bah voilà, tout est propre, tout est propre. Voilà, je suis content, tout est nickel. Et là, là-bas, on voit, ça on voit. Hein. Vous avez vu, hein, comparé à tout à l'heure, je vous ai montré, c'était caca. Voilà, tout est nickel. Vous voyez, hein, c'est un petit. Là c'est pareil, il n'y a plus de traces. Là-bas c'est pareil. À la bordure, là, il a été rempli de noir. Avec le calcaire et puis comme c'est de la merde. De toute façon, on dirait que ça a été mis comme un pulse, le bordel. Je sais même pas comment le truc il tient. Mais bon, j'espère avec. Ça, je vais refaire du joint. Je vais essayer d'enlever ça là. Je vais remettre, je vais essayer, enfin je vais essayer parce que j'ai jamais mis de joint de ma vie. Je vais essayer de refaire ça à propre. Comme ça voilà, on verra plus le noir là. Là-bas c'est pareil, dans la douche c'est pareil. Je vais remettre correctement et alors Shabbat, hein. Ça ira très très bien. Bon voilà, je crois que j'ai bien travaillé encore une fois. Hein. Non, mais franchement, il fallait que je le fasse. Ça fait un bon petit moment que je voulais le faire. Mais franchement, j'avais pas du tout envie. J'avais pas tendu. J'avais pas vraiment envie de le faire. J'étais fatigué, puis pas le moral. Et ça me faisait chier de le faire, franchement. Voilà. Mais bon, un jour ou l'autre, hein, obligé de faire. Hein. Comme là, j'ai pris. Mes deux bras sur mes épaules et j'ai fait comme ça, je suis tranquille. Je suis tranquille pour 1000 ans au moins. Donc voilà. Donc là, on va essayer de trouver un. Cécile, c'est pareil, elle m'a dit qu'elle en avait un petit peu marre du bordel là. Pourtant, c'est bien rangé, hein. C'est mis dans des sacs et tout. Chaque sac a son propre truc. Mais on va essayer de trouver un casier. Pas trop un casier style un peu vraiment carré pour pouvoir mettre correctement toutes ces trousses dedans pour éviter bah ça passe un genre de bordel de montagne comme ça. Et pour l'instant j'en ai pas trouvé des paniers carrés, c'est plus des paniers comme ça, un peu plus
rectangulaire, mais carré, j'ai pas trouvé encore de truc carré. Ça passe un petit peu plus propre. Il faut qu'on pense à acheter la loupiote là, parce que apparemment c'est le même prix partout. Hein. Vous en avez vu à Leclerc à 10 euros. Et on pensait c'était cher. On a été voir Amazon, machin. Et en fin de compte, c'est pratiquement le même prix. Donc comme à Leclerc, c'est un petit peu plus près. Et au moins, on l'aura en main. Donc tant pis, je le prendrai à Leclerc. Comme ça, au moins, on aura une lumière. C'est là, avec la petite lumière, le temps que, comme c'est une lumière à moins d'intensité, pour faire des économies, le temps que ça s'éclaire et tout, ben voilà. Donc la balance, je l'ai dégagée, c'est pareil, hein, c'est une vieille balance des années 80 que j'avais. C'est vraiment les toutes premières balances. Maintenant, tu en as des super jolies, tactiles et tout. Donc, on va voir ça pour une balance aussi. Je vais voir sur Temu s'ils en vendent. Je sais pas. Après, pourquoi pas, hein. Comme ça, j'aurai une balance toute neuve. Parce que l'autre, franchement, c'est vraiment des années 80. Mais bon, voilà, comme on dit, hein, on prend ce qu'il y a. Hein, et puis, on garde ce qu'on a. Ça te va comme ça, la salle de bain? Je peux pas mieux, hein. Je peux pas mieux Ah, faire. mais ça va, c'est bon. Alors, en tout cas, c'est plus propre. J'ai fait les tuyaux, j'ai fait les plâtres. J'ai essayé de faire derrière. Le compteur, je te l'ai nettoyé. Là, tu as vu, il n'y a plus de noir. Par contre, le truc, il s'enlève blanc. Le truc blanc, il s'enlève. Ça. Il s'enlève, c'est même pas Ouais, mais ce collé. que je te dis, c'est de la merde qu'ils ont C'est mis. même pas collé. La misère. Maintenant, ils ont fait ça à la va-vite. Bah, comme un puzzle. Encore, quand on prend la douche, je suis même étonné qu'il n'y a pas de l'eau qui coule par terre. C'est vraiment étonné. Comme ça, au moins, c'est nickel, il n'y a plus de noir qu'on voit. Suis assez content de moi. Voilà. Donc voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous lancer. Je vais vous lancer. Oui, je vais vous lancer en l'air. Comme les gens en l'air, je vais vous lancer. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Oh, encore une petite vidéo longue. En même temps, je vais me nettoyer les oreilles. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les vidéos longues. Donc ça tombe bien. Non, son caca. Et ça, c'est la poussière. Ça. Pourtant, j'ai pris une douche. Quand? Quand j'ai pris une douche, il y a... Non! Ça fait pas 2 ans que j'ai pris une douche. Ça fait au moins 6 mois. 6 mois, pas vrai, j'ai pris une douche. T'es en train de boire. Suis un peu comme Godefroy de Montmirail. À l'époque, il se lavait tous les 1000 ans. Alors moi, je suis Guigui de Godefroy. Et voilà, comme ça j'ai les oreilles toutes propres pour 10 000 ans. On les refera dans 1 an. Et puis ben, je vais ranger tout le bordel hein, qui reste. Hein. Pour ça, le panier à linge aussi, je crois, on en a commandé un nouveau à Temu. On l'a mis de côté. Par contre, je ne l'ai pas revu. Ça se trouve, il n'y en a peut-être plus. Ils l'ont peut-être dégagé. Il faudra que je re-regarde. Un genre de panier tout simple. C'est celui-là. Celui-là, on l'avait trouvé dans les encombrants.
ça nous a bien dépanné, hein. Et puis Cécile a commencé à en avoir un petit peu de marre aussi de celui-là. Donc on a, elle avait vu un panier à linge pas trop grand. Un truc qui lui plaisait, quoi. C'est le problème, faut pas que ce soit un truc trop grand, sinon il n'y a plus de place. Mais non, parce que c'est ceux qui s'accrochent et qui se plient après. Ah oui, c'est ceux-là. Qui se rabattent. Ah oui, comme ils font maintenant. Oui, quand t'as plus de linge dedans. Ouais. Décoller contre le mur. Ouais. Ah oui, ça va, j'ai pas pensé à celui-là. Je m'en rappelais plus. Il y en a deux, un pour les. Je m'en rappelais plus, mon seigneur. Bon, bah voilà. Oh, je vais aller chercher mon lait. Je vais aller chercher mon lait, je vais chercher une boîte pour les chats. La litière. Ah oui, puis la litière. Putain. Mais j'y vais aussi, moi. Pourquoi je vais? Ah, tu viens? Non, mais... Bah, tu porteras... Je suis sous médicaments et c'est Guillaume qui est complètement shooté. Tu porteras la litière. Wally, Wallou. Donc, sur ce... Voilà, encore un travail de plus à faire et terminé. Comme ça, au moins, la salle de bain, elle est propre. Parce que le reste, bon, j'avais déjà fait, déjà. Hein. C'est vrai que je refasse encore. Voilà, le plus important, c'était ça. C'était le parterre qui était vraiment sale. Et la douche a commencé à être un peu crade. Même si elle n'était pas nettoyée à fond, elle a commencé à être un peu sale. Comme ça, au moins, elle a été nettoyée à fond et à l'archabad. Ça ira comme ça pendant 5-6 ans. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Donc, si vous avez aimé, comme d'hab, hein, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain nettoyage dans 10 ans. Allez, ciao, ciao! Non mais j'arrive, il est bloqué le bordel. Le téléphone il est bloqué. Comment ça bloqué? Je te jure, j'arrive plus à éteindre le bordel.